Bonjour à tous et toutes. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment utiliser Advanced System Car Pro, qui est un logiciel extrêmement efficace pour maintenir à jour son PC, pour l'optimiser, notamment l'optimisation de la vitesse sur Internet, pour l'accélérer, pour à la fois le sécuriser, défragmenter, l'optimiser, etc. Donc il fait un peu tout, c'est le couteau suisse ce logiciel. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez l'avoir gratuitement pendant une semaine. Donc précipitez-vous sur Angly pour trouver le code. C'est un logiciel qui se vend entre 19 à 25 euros à peu près. Il est plébiscité par la presse entière, 01net, etc., comme le meilleur logiciel pour optimiser son PC. Je l'utilise maintenant depuis à peu près 5 ans en complément avec CCleaner, et en utilisant CCleaner tous les jours et Advanced System Car Pro tous les jours, ça permet vraiment d'avoir un PC qui reste au top. Donc c'est extrêmement intéressant si vous êtes un gamer ou si vous êtes comme moi, vous faites du trading intensif. C'est vraiment indispensable. Si en plus vous avez un vieux PC, ça peut lui redonner aussi un petit coup de boost. Alors, lorsque vous lancez le logiciel, je vais vous le présenter rapidement. Donc vous double-cliquez sur cette icône. Alors c'est assez amusant parce que l'icône se met à jour. Donc là, bon, c'est que le PC, il sourit, le PC est en bon état. Vous l'avez ensuite en version smiley horizontale, orange où c'est un peu moyen, et en rouge quand vraiment il faut que vous interveniez. Bon, la bonne pratique, c'est de le faire systématiquement après votre journée de trading pour avoir le lendemain matin un PC au top. Donc là, on a à peu près toutes les options que peut faire ce logiciel. Il peut supprimer les logiciels espions, il peut accélérer Internet. Alors il faut bien lui préciser votre débit Internet, il va régler comme cela certains facteurs pour que ce soit plus efficace. Au niveau de la sécurité et de la défense, il va vérifier que vous avez bien absolument tout à jour, dont des plugins type Adobe Flash Player qu'on oublie toujours. Il va nettoyer les registres, donc ça fait rigoler les gens qui sont sur Macintosh et qui n'en ont pas besoin. Il va balayer le disque, il y a des protections de la vie privée, bon, il va éliminer les cookies, défragmentation du registre, réparer les failles de sécurité, optimiser le système et l'optimisation du disque, hein, donc c'est ça qui est le plus important. Et pour les PC un peu plus lents, il peut aussi donc accélérer. Là, je suis en mode accélération, il a stoppé 13 services sur mon PC que je n'utilise jamais. Il peut optimiser l'accélération au démarrage, et il peut par exemple nettoyer les applications, les barres, les plugins. On va le lancer pour voir ça, et vous allez voir que c'est extrêmement extrêmement complet. Donc là, j'ai quatre logiciels installés sur mon ordinateur: Internet Explorer, Chrome, Mozilla et Opera. Et vous voyez que sur Internet Explorer, on se retrouve avec énormément de petites barres d'outils supplémentaires, de plugins qui ne servent strictement à rien. Donc on peut comme cela les sélectionner et les supprimer rapidement. Alors pour ceux qui font du trading, regardez sur quel logiciel je peux trader. Google Chrome, absolument vide, rien du tout. Ça, c'est vraiment pour l'optimisation de la vitesse. Opera aussi, que je peux utiliser plus facilement. Alors là, Opera, vous voyez, il a 6 plugins, donc tout ça va ralentir un petit peu en perpétuellement, tandis que Chrome sans aucun plugin, ça va être optimum pour trader, voire même pour surfer Mozilla, Firefox. Alors là, j'ai énormément de plugins que j'utilise simplement pour surfer. Donc ça peut être aussi une bonne idée, c'est-à-dire d'avoir uniquement un navigateur internet dédié au trading sans aucun plugin. Avec ce logiciel, vous pouvez absolument tout supprimer. Donc voilà, on peut aussi, bon, vous avez tout un tas de protocoles pour renforcer un petit peu la sécurité. Une boîte à outils qui est extrêmement extrêmement puissante. On a la RAM intelligente en version pro que vous pouvez avoir gratuitement. Alors c'est quoi la RAM intelligente? C'est pour ceux qui n'ont pas beaucoup de RAM, 4 Go, ça permet de la nettoyer, d'enlever les programmes que vous n'utilisez plus au bout d'un certain temps pour essayer de garder un petit peu de vivacité sur votre ordinateur. Donc je vais vous montrer la chose classique. Donc vous avez absolument tout à cocher, même si vous avez un disque dur SSD, hein, il le repère, et vous cliquez sur balayer, et là il est parti.
Donc, il va faire le balayage des menaces. On va le laisser tourner un petit peu pour voir s'il reste des choses sur mon PC. Et j'ai sélectionné donc réparation automatique. Donc, il va automatiquement le faire. Est-ce qu'on peut avoir confiance? Ça fait au moins 4 ou 5 ans que je l'utilise sur 3 PC différents et de bureau et 2 PC portables. Jamais eu aucun problème, bien au contraire, c'est plutôt extrêmement extrêmement efficace. Comme je l'ai dit, c'est encensé par la presse, donc installez-le, vous ne le regretterez pas, à mon avis, d'autant plus que la version pro est gratuite en allant voir le code à insérer sur Enlil. Donc là, il m'a trouvé 16 petites erreurs de registre, 32 problèmes de vie privée, donc c'est des cookies, j'ai un peu surfé, 50 mégas de fichiers inutiles, il va voir si j'ai éventuellement des problèmes internet, des erreurs de raccourci. Donc on laisse tourner très simplement. Vous pouvez le laisser tourner juste avant après avoir fini votre journée de boulot, et en lui demandant par exemple donc de réparer automatiquement et d'éteindre le PC. Comme ça, vous le lancez et il s'éteint lui-même. Donc vous voyez, là, j'ai pas de problème internet, j'ai pas de problème de performance, j'ai pas de problème de fragmentation de registre. Je l'ai fait récemment, je l'ai fait il y a à peu près 2 heures. Donc c'est un petit peu normal qu'il n'y ait pas d'erreur majeure. Et vous allez voir, il va se mettre à corriger ça dans quelques secondes automatiquement. J'ai pas d'erreur disque, tant mieux. Là, alors les failles de sécurité, c'est intéressant. C'est pas uniquement Windows 10. Il va prendre aussi tous les plugins installés, les Java, les Adobe, les Shockwave. On oublie toujours qu'on a Shockwave sur nos navigateurs. Il va vérifier tout ça et il va les mettre à jour en cas d'oubli. Donc, vous avez toujours au niveau de la sécurité, on en sent tous les jours, les dernières mises à jour automatiques. Et il vous nettoie tout ce qui est fichier inutile. Il vous booste vraiment votre ordinateur. Voilà, maintenant. Il corrige, il est en phase de correction, c'est terminé, tout a été corrigé. Alors on peut voir par exemple les possibilités pour d'accélération. Donc là, il va mettre hors service certains DLL plugins que vous n'utilisez pas. L'accélération au démarrage aussi peut être assez intéressante. Je ne vais pas vous présenter toutes les options. Voilà, il est extrêmement complet. C'est vraiment le couteau suisse pour bien entretenir son PC. Vous faites ça en un clic, c'est un réflexe tous les soirs. Vous le lancez, vous cliquez sur balayer et il fait tout seul. Il éteint votre ordinateur. C'est un logiciel, comme je vous l'ai déjà dit deux fois, ce sera la troisième, encensé par la presse. Donc c'est vraiment du tout bon, vous le couplez à CCleaner et vous avez l'idéal est gratuit pour pouvoir bien entretenir votre PC, garder votre station de training au top. Alors là, sur le site Enlil, vous avez une licence pour l'avoir gratuitement pendant 1 an avec le code. Si ce n'est plus le cas, ce nombre de licences va être réduite dans le temps. Vous pouvez utiliser la version gratuite, hein, qui n'est pas la version pro. Vous avez quelques réglages en moins, mais il fait déjà du très 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 bon boulot. Voilà, donc je vous laisse le télécharger et aller récupérer la licence gratuite pendant 1 an. Ça vous fait déjà économiser une vingtaine d'euros.